Alors oui, bonsoir à tous mes frères et messieurs, à Mauritien, à je M'espérez de tout en bonne et parfaite santé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Des retours de voyage jusqu'à vendredi. Vendredi, Mopou en voyage encore. Que le Seigneur vous bénisse. M'espérez de tout en bonne et en parfaite santé. Amen. Bonsoir, bonsoir. Dans ceux qui sont sur l'île, à Maurice. Amen. Que Dieu vous bénisse. M'espérez de tout pétain de moi. Amen, m'espérer que tu peux moi. Amen. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à uh, Let's See. Bonsoir Niamala. Bonsoir Jeff. Bonsoir Lorna. Bonsoir Rai. Rai Rayoun. Bonsoir Marie Bouchikaletti. Bonsoir Cousine Bianca. Amen. Bonsoir Joseline Bonsoir Catherine au Canada. Bonsoir Anthony Véro, etc., etc. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Dieu. Lis bon. Amen. Comme je connais, je suis en voyage en Afrique et puis en Californie. Amen. Très occupé ces derniers temps. Amen. Et aussi ce vendredi, je suis en Floride. Et puis jusqu'à dimanche. Et puis lundi prochain, je prends avion pour Ville-Maurice pour prendre deux jours pour Ville-Maurice. Je passe par Louisville à Detroit, Detroit à Paris, Paris. Maurice prend deux jours pour Vin Maurice. Alors, pour Maurice, juste pour quatre jours. Et ensuite, nous pouvons passer un bon moment à la réunion. Et puis nous pouvons retourner à Maurice pour les trois jours encore. OK? alléluia Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, je ferai tout peut de moi. Amen. Amen. Tout bon, tout correct. Dieu bénisse tous. Amen. 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 Alors, rapidement, avant qu'il nous rentre dans la parole de Dieu, des trois petits annonces. Amen, si tu peux te gratuitement avec nous, podcast, Faithlife Radio. Amen, tu le Acast, le iTunes, Spotify, Google Play, Radio Public, etc. Toi, tu peux trouver ce logo-là. Amen, tu peux te les gratuites tu peux gagner toutes prédication, lis en anglais. Si tu peux encore venir en partenaire avec nous, me demande-toi, viens en partenaire avec nous. Et ensuite, nous faisons l'évangile de l'avant tout le temps. Amen, amen, amen. Tout le temps voyage, tout le temps prêche l'évangile de Christ. Amen, amen, amen. Alors n'oublie pas qu'il me prend avion. Pas ce lundi là, mais lundi prochain pour rentrer Maurice le mercredi. Et puis nous commencer presser jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, nous comme on a quatre réunions, ok? Moi comme a quatre réunions. Et puis, moi, moi, je connais un le pasteur James sur l'église, le bishop Anil sur l'église, et puis le pasteur, euh, <coughs> le pasteur Roland Beng dans Elvesia. ok? Alors, si je ne peux pas venir, moi connais qu'il y a pour le moment il a 10, 50 personnes limite à Maurice. Alors, si je ne peux pas venir, très bien, ok? Sinon, le jeudi aussi, avant le jeudi, c'est-à-dire le jeudi quoi? Jeudi le Jeudi, le, le 16, le point de réunion à ah, pour lui. Okay, vendredi, samedi, dimanche, pour lui. Et puis, à euh, Coromandel, ensuite, Côte-Pasteur James et aussi Côte-Pasteur euh, Roland. Okay, et puis, le 20, 21 pour dans la réunion. De retour, le 27. Et puis, le 28. 28, pourquoi 28, 29, nous avons cette réunion le 28, le 29, nous avons cette réunion à Coromandel School of Warfare et Ministry et 50 places seulement réservées. Alors, si je n'ai pas encore réservé, je téléphone le frère Rudy. Amen. Téléphone le frère Rudy. Ça, ceux qui sont dans le ministère. Amen. Ceux qui sont dans le ministère. Alors, si je suis capable, téléphone frère Rudy et nous capable Gwen euh, je capable jouer avec ce numéro c'est 5 9 6 1 41 40. Neuf encore une fois ce le numéro c'est si quelqu'un capable d'écrire ça pour moi, je veux contacter les frères Rudy pour je capable mettre votre nom, nous capable nous besoin de 50 personnes. OK, 50 je veux dire ce numéro c'est 5 9 6 1 41 40. Si quelqu'un capable d'écrire ça pour moi, me pour apprécier s'il vous plaît. Encore une fois s'il vous plaît, je vais être connecté avec le frère Rudy. Ce numéro, je t'appelle le WhatsApp, plus facile, on va lier le message le WhatsApp. Ce numéro c'est 5 9 Amen. Merci Marie Carline Gopi. Euh, 9, 5, 9, 6, 1, 41, 40. Le frère Rudy. OK? Le frère Rudy. OK. Voilà, 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 voilà. Voilà c'est tout. Je suis capable de faire ça avec le frère Rudy. Ça, les points intense, c'est pour ceux qui sont dans le ministère, c'est pour ceux qui sont en vie, trouvent indifférence dans notre ministère. OK, merci Seigneur. Alors, encore une fois, bonsoir Natacha, bonsoir marie Caroline Bonsoir Gorilla, bonsoir Béa, bonsoir Kamla, bonsoir Stéphanie, bonsoir Jean, bonsoir Marie-Claire Chaperon, Sonia Cousine, Amen, Cousine, un autre cousine encore, Amen, Lalita, bonsoir, Christiane Perrette, bonsoir, Amen, je tourne encore une fois, bonsoir. Ok, alors que le Seigneur vous bénisse. Miranda, bonne femme, bonsoir Ushalon, bonsoir Lorna René, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Alors, tu correct là OK, très bien. Voilà, ce soir nous rentrons dans la parole de Dieu, s'il te plaît. On nous coupe de la tête et nous prier s'il vous plaît. Seigneur mon Dieu, me remercie toi. <coughs> <coughs> me remercie pour la parole de Dieu me remercie pour ce peuple merveilleux me demande-toi Seigneur ce soir qui te pour aide nous pour comprendre la parole de Dieu avec toute simplicité avec toute efficacité me demande-toi Seigneur ce soir qui te pour nous la langue qui est euh, ne avec l'huile du Saint Esprit et aussi me prier pour nos frères nos sœurs à Maurice et ceux qui sont au Canada Italie en Europe, etc., à Rodrigue, qui se prenait les oreilles pour l'intelligence pour comprendre, les yeux pour trouver les trésors de la parole de Dieu et en les cœurs pour recevoir la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, maintenant, ce soir, à nouveau, de la Bible dans le livre de Zacharie chapitre 9. Zacharie chapitre 9, le verset 9. Zacharie... Chapitre 9, Amen. Le verset 9. Que le Seigneur vous bénisse. Zacharie, chapitre 9, le verset 9, s'il vous plaît. Et puis, nous pouvons lire Matthieu 21. Matthieu 21. Alors, maintenant, nous lions Zacharie, chapitre 9, le verset 9. « nous comme ça, de louis sigon avant, soit transporté d'Allégresse, fille de Sion. » Pousse de cri de joie, fille de Jérusalem. Bon, on va cette mot Jérusalem. Ok. Voici ton roi. Viens à toi. Il est juste, il est victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Alors, Mouradé, Mouradé, c'est important encore une fois, Zacharie, chapitre 9, le verset 9, très important, qui te comprend ce verset ce soir. C'est ça qu'on appelle une prophétie messianique. Alors, ça veut dire quoi, une prophétie messianique Une prophétie messianique appartient simplement au Messie. Ça veut dire qui une prophétie messianique lui fait référence à Jésus Christ. Est-ce que je peux comprendre moi là? Je peux bien comprendre qu'il y a différents types de, type de prophéties dans la Bible. Par exemple, donne-toi un exemple là, on appelle ça prophétie messianique qui appartient simplement à la vie de notre Seigneur Jésus Christ dans la terre. Amen. Ce travail se lève dans la croix du calvaire. Maintenant, il y a un autre type de prophétie qui nous appelle prophétie eschatologique. Qui ce que ça veut dire ça? Eschatologique veut dire euh, le dernier jour, le dernier temps, la fin. Alors, ça, maintenant, nous comprend qu'il y a une prophétie messianique et puis de l'autre côté, nous y a un autre qui nous appelle prophétie eschatologique. Okay? Une autre façon, un autre type de prophétie qui Pierre appelait prophétie de la promesse de Dieu prophétie de la promesse de Dieu, ok, en d'autres mots, prophétie, autre, autrement dit, prophétie l'écriture, prophétie l'écriture, chaque parole dans la Bible, Amen, il y a environ 32 000 euh, pro, euh, prophéties, promesses de Dieu qui appartiennent à toi, Amen, 32 000, Promesse de Dieu dans l'Écriture qui appartenait à toi. C'est pour cela qu'il nous appelle ça. Amen. Prophétie de l'Écriture. Maintenant, elle a un type de prophétie qui nous appelle prophétie personnelle. Prophétie personnelle. Moré en dit encore une fois là. donne toi quatre types de prophétie. Premièrement, tu en as qui nous appelle le prophétie messianique, qui appartenait simplement, et seulement à Jésus-Christ. Deuxièmement. Tu as un autre type de prophétie qui nous appelle prophétie de, euh, eschatologique, qui veut dire euh, vers la fin, le retour de Christ, etc. etc. Okay? Et puis tu as prophétie de l'Écriture. Ça, c'est 32 000 promesses dans la parole de Dieu qui appartiennent à toi. Mais aussi, tu as un qui nous appelle prophétie personnelle. Prophétie personnelle. Amen. Si quelqu'un lui prophétise l'autre de la vie. Ok. Alors maintenant. Nous trouvons une prophétie pour le Seigneur dans Zacharie, chapitre 9, le verset 9, Mopélia de, de la Bible, le second. Et jeunes nous comme ça, Amen. jeunes nous comme ça, merci Seigneur. Soit transporté d'allégresse, sois transporté d'allégresse, merci Seigneur. Monsieur, je me trouve moi, ok. Amen. Soit transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse de cris de joie, fille de Jérusalem. je te ça. Fille de Jérusalem, voici ton roi. Viens à toi. Il vient à toi à Jérusalem. Il est juste, victorieux. Il est humble. Il, monte, il est monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Maintenant, ce qui m'a envie d'écrire, ce qui m'a envie d'écrire, Amen, euh, t'écris ça. Sa, sa prophétie là qui est euh, prophétisée par Zacharie pour le Seigneur de Jésus-Christ, dit prophétise à 500 gens avant que Jésus-Christ vienne l'or la terre. Moi bon, vous te comprends ça. Amen. <coughs> 500 gens, OK, 500 gens l'or la terre. Est-ce que je peux comprendre moi là OK, 500 gens avant que Jésus-Christ vienne l'or la terre. Maintenant, nous trouvons réalisation de cette prophétie dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, le premier verset, jusqu'à le verset 11, de pouvons OK Le verset 11. Matthieu chapitre 21, chapitre, euh, le verset 1, s'il vous plaît, jusqu'à le verset 11. La Bible dit comme ça Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fit arriver à Béphage, Béphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Maintenant, on va te souligner ça dans la Bible une ânesse attachée. Maintenant, tu as réalisé que, quand tu peux cette prophétie dans Zacharie chapitre 9, Zacharie ne qui pas qu'il y là ânesse là, mais il trouve le fait ici la Bible vient comme ça. Jésus dit comme ça, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Je vais te souligner ces mots dans la Bible. Détachez-les et amenez-les-moi. Le ben, mot qui je vais te souligner dans la Bible, s'il te plaît, te souligne dans la Bible ce mot. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Soulis ça dans toute la Bible. Une ânesse, ok, attachée, et un anon avec elle, détache-les et amenez les moi Soulis ça dans toute la Bible. Verset 3 maintenant, si quelqu'un vous dit quelque chose, que questionne-toi, vous répondrez Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Soulis ça dans toute la Bible. Maintenant, ce qui m'a envie d'écrire maintenant dans la Bible, dans ton cahier, Amen, dis avec moi, mon bisin, mon prophétie se manifeste. Encore une fois, mon bisin, Amen, j'ai besoin que ma prophétie se manifeste. Jésus-Christ l'a dit comme ça, mon qui mon prophétie, ma prophétie l'a manifesté. Alors, maintenant, avec toute l'audace, avec toute la foi, avec toute confiance, s'il vous plaît, lèvez vos mains avec moi et dis avec moi, qui les dans mon besoin qui m'a prophétisé l'est manifesté dans ma vie. Quand nous ça, nous ça avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin. Le Seigneur en a besoin. Maintenant, maintenant. Si tu appelles Sabrina, si tu appelles Dilip, si tu appelles Rai, si tu appelles Natasha, quelqu'un dit comme ça, comme ça. Le Seigneur en a besoin. Alors, Dilip, dis comme ça avec moi. Dilip, on a besoin de sa prophétie. Amen. Amen. Goria, Anzi, Dia, Mobizin, mon prophétie. Bianca, Amen. Sonia, Linda, Amen. Je te dis avec moi, Brigitte, maintenant là-dedans. Amen. Glenn, on a besoin de sa prophétie. Tu dis, mon avec moi. Mobizin, mon prophétie. Amen. Alors, il dit, le Seigneur, on a besoin. Amen. Nous ne sommes pas capables d'avoir une attitude euh, relaxante quand nous ne pouvons pas trouver ben, une prophétie. Papé, dans nous ne pas réalisés dans la vie. Nous ne sommes pas capables de les bras. Dire, si pour peut arriver, pas arriver. Non, 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 non. non. Ce poussé-là, qui trop beaucoup de jumeaux n'a pas trouvé non de dans notre vie, de la vie. Alors, encore une fois, s'il vous plaît, que vous soyez. Amen. Si c'est toi, Niamala, Jean, Mina, Anthony. Béa, lève-toi la là avec moi, elle dit avec moi, mettons ton là-dedans, Glenn, on a besoin de sa prophétie que se manifeste. Amen. Ma prophétie libisan manifestée. Amen. amen. Amen, 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 Amen. Si ta prophétie n'est pas manifestée, alors comprends bien ce soir, Amen, qui te pas capable rentre dans ton lieu de, de, de te destiner. Est-ce qu'il se peut comprendre moi là est-ce qu'ils sont capables de moi un bon Amen ce soir? Que le nom de Dieu soit béni et soit loué. La Bible dit comme ça Le Seigneur dit, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Amen. Amen. Je trouve ça là. Amen. poules les autres allez Or, ceci arriva afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé. Par le prophète dit à la fille de Sion voici ton roi vient à toi pleine de douceur et montez sur un âne sur un anon le petit d'une ânesse. les disciples allèrent et je trouvais là je trouvais ça c'est un accomplissement de cette prophétie qui euh Zacharine dit, hein, nous trouvons ça bien une réalité dans la vie de Jésus-Christ. Alors, la Bible nous dit comme ça, le verset 6, le disciple allait firent ce que Jésus leur avait ordonné. Il amenait à la neige et l'anon et mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent de branches d'arbres, et en jonchèrent la route. Amen. Ceux qui précédaient et qui suivaient Jésus-Christ criaient, hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna de lieu dans le lieu trésor. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Amen, 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 amen. Que le nom de Dieu soit loué. Alors maintenant, mon vie de tout dire ça avec moi, amen, je dis ça avec moi, mets ton nom là-dedans. Ne peux dire ça, Tu confesses avec moi, dis, j'ai besoin. Que ma prophétie se manifeste. Encore une fois, s'il vous plaît. J'ai besoin que ma prophétie se manifeste. Encore une fois. Maintenant, maintenant, on va dire comme ça. Glenn, toi, maintenant, dis dit ton nom. Mon qui me prophétie, lui manifesté dans ma la vie. Le bizin manifesté dans ma la vie. Maintenant, comprends bien. Amen. Que. Cette prophétie messianique pour toi, il y a une prophétie messianique qui n'est pas appartenue à toi, mais pour Jésus-Christ, est non simplement une prophétie messianique, mais est aussi une prophétie personnelle pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais première chose, qui m'invite te comprendre, c'est que, écoute bien maintenant, c'est que cette prophétie Prophétiser 500 ans avant le venu de Christ, c'est ce qui nous lie dans Matthieu 21, on appelle ça l'entrée triomphale. Tu dis, mon avec moi, l'entrée triomphale. Donne-moi un bon Amen ce soir. Tu dis, mon Dieu, capable d'écrire ça pour moi dans Mars, s'il vous plaît? L'entrée triomphale. L'entrée triomphale. Alors, écoute bien maintenant. On appelle ça cette entrée à Jérusalem. 500 ans après la prophétie de Zacharie, Amen. Quand il est arrivé dans Jérusalem 500 ans après, Matthieu, Marc, Luc, Jean, je tout appelle ça, et les, les érudits de la Bible appellent ça l'entrée triomphale. Alors comprends bien, bonne toi intelligent, toi un, euh, moi là en avance, moi toi ça, monte-toi tu ça, cette prophétie... Qui peut toi une rentrée triomphale dans ta destinée? Tu n'es pas, pour capable, rentre, tu pas pour capable, de gagner pas capable, une entrée triomphale. Amen. Si tu n'es pas capable, faites prophétie, vine une réalité. La raison qui fait beaucoup parmi nous, nous peine une entrée triomphale, mais nous avons une l'entrée chagrin, nous avons l'entrée un maussade, une entrée de défaite, c'est parce que Amen, c'est parce que Amen, nous pas connaît comment faire, nos prophéties manifestées. Alors, nous trouver des trois qui que qui Jésus-Christ envie qui nous comprend ce soir. Alors, maintenant, nous, à nous définir, à nous définir, ça veut dire quoi Une prophétie. Ça veut dire quoi une prophétie Et puis nous pourrions retourner en arrière nous au expliquer les autres, ces trois qui sont encore. Ce soir, nous pouvons prendre de notre Seigneur Jésus-Christ comment nous peut pas faire nous destiner, Amen, s'il vous plaît, manifester dans nous la vie. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout le monde dit merci Seigneur. Alors maintenant, nous, nous, nous premièrement, premièrement, nous décrire que ça veut dire quoi une parole prophétique. Imagine-toi, parole prophétique, tu en as messianique, tu en as uh, eschatologique, tu en as aussi. Euh, l'écriture est une aussi personnelle messianique n'est pas appartenir à toi ni personnel pour Jésus-Christ eschatologique en ce qui appartient à toi n'est pas appartenir à toi qui est simplement pour Israël OK et la fin du euh, monde amen et puis nous, quand on peut dire la fin du monde ça veut dire pas que le monde peut terminer non ne peut dire la, la fin du de de règne de l'homme sur la terre OK et puis nous la prophétie de l'Écriture qui appartenait à toi trente 000 promesses qui pour toi, mais malheureusement beaucoup de personnes pas connaissent comment faire sa vie une réalité dans toute la vie, et aussi de la main prophétie personnelle qui est incapable de une prophétie de prophétiser toi, soit incapable, euh, soit te même dans pas une vision, pas un rêve, tu ne pas une une parole prophétique. Alors, mais c'est quoi? Une parole prophétique, ça veut dire quoi ça veut dire une prophétie Alors, mon vieux ça, mon vieux ça, premièrement, une parole prophétique, soit une prophétie personnelle, ne plus que ça, c'est le dévoilement du plan de Dieu pour ta vie. <coughs> tu dis mon dieu ça avec moi Une parole prophétique, une prophétie personnelle, Amen c'est le dévoilement du plan de Dieu pour ta vie, pour toute la vie. Alors, il est très important qu'il te comprenne ce soir que Dieu est un plan personnel juste pour toi. Nous connaissons qui a un plan générique, un plan général qui appartenait à tout chrétien. Par exemple, nous connaissons que Dieu a envie que tout le monde soit sauvé. Nous connaissons que Dieu a envie que tout le monde soit guéri. Nous connaissons que Dieu a envie que tout le monde la paix de Dieu. Nous connaissons que Dieu a envie que tout le monde dans la prospérité. Ça, c'est générique. Mais ce qui est spécifique et personnel à toi, Dieu a un plan spécial et spécifique pour toi. Maintenant, mettez la main dans l'équerre et dis avec moi, « Mon comprends ce soir » Une parole prophétique sur le dévoilement du plan de Dieu spécifique pour me, la vie. Maintenant, m'invite au ouvrir de la Bible, mon une chose extrêmement important qui te comprend. Extrêmement important pour te comprendre. Dans le livre de Marc, chapitre 11, même histoire, mais ne peut trouver un chose très important. Ok, très important qui te besoin euh, écouter. Et lire, s'il vous plaît. Dans la Bible, s'il vous plaît, Louis II, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Louis II, Marc, chapitre 11, s'il vous plaît. Guide dans la Bible, ne peut même l'écriture. Très important que te être conscient de ce verset, s'il vous plaît. Marc, le 11e chapitre, s'il vous plaît. Alors, Marc chapitre 11, le verset 2. OK, nous ne pouvons pas lire le verset 1. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Béphagé et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur, laquelle, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Très important aussi, ce verset 2. Vous trouverez un annon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. détachez les et amenez-les. les Si quelqu'un vous dit... Pourquoi vous faites, faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera venir ici. Alors, encore une fois, le verset 2, vous trouverez, Amen, un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Très important qui te souligne ça dans toute la Bible. Aucun homme Personne panacise lors ça un an là lors ça là. Est-ce qu'il se peut être moi mes frères et mes soeurs? ça un là spécifiquement spécialement réservé pour le Seigneur Jésus Christ. Est-ce qu'il te peut comprends-moi là? Est-ce qu'il te peut comprends-moi? Alors comprends bien maintenant qu'une parole prophétique soit une prophétie c'est le dévoilement du plan personnel spécifique, Amen, spécial de Dieu pour toute la vie. Personne n'est pas capable de montrer ça à là. Parce que pas tout le monde qui a le même appel que toi. Ça plan que Dieu qui est là pour toi là, Amen, Stéphanie, euh, Natacha, rien à voir avec Jeff. Ça qui, a, ça qui Dieu est pour Jeff, rien à voir avec Anthony Vero. Ça, que Dieu est pour Anthony Véro, rien à voir avec Sabine Benoît. Est-ce qu'il se peut comprendre moi là? Alors, tu as besoin de comprendre ce soir que Dieu est un plan spécifique, un plan spécial pour toi et personne n'est capable de prendre de place. Personne n'est pas capable prendre de prendre place. Alors, Nirmala, euh, Mina, Goria, Amen, Natacha, Metsot, la de le Mohan Frère, Amen, Marie-Brigitte, et tout Jimundi avec moi, moi comprends ce soir que Dieu, y a un plan spécifique pour moi, que personne n'est pas capable de rentrer là-dedans. Est-ce qu'il se peut? Comprends-moi là. Amen, Amen, Amen. Ça est très important. Amen. Sonia, il très important que tu comprends ça. Lorna, Lalita, Anthony, Mina, Bianca, très important. Qui te comprend, qui se comprend, qui Dieu est un plan spécifique et spécial. C'est à toi maintenant de découvrir ce plan. Alors, deuxième définition de ça veut dire quoi? Une prophétie, une prophétie, ou soit. Euh, une parole prophétique. Comprend bien deuxième définition. Une prophétie personnelle, amen, c'est une vision du ciel, une vision céleste qui attend une exécution terrestre. Est-ce que se peut comprendre moi là? Bon, vous diriez ça. Une prophétie. Les non simplement, un plan spécifique, spécial, juste pour toi. Amen. Mais l'IN, c'est une vision céleste, du ciel, qui peut atteindre une exécution terrestre, une application terrestre. Est-ce que se peux comprendre moi là Amen, Amen, Amen. Alors, nous guettons -nous la Bible, s'il vous plaît, dans Actes des Apôtres, chapitre 26. Rapidement, Actes des Apôtres, chapitre 26. Je disais absolument comprendre ça. Acte des Apôtres, chapitre 26. Le verset, nous pouvons apporter qu'est-ce l'apôtre Paul dit l'apôtre Paul, il Juifs, un juif, il juifs un juif, il un pharisien, amen, mais Dieu n'envoie pas les, pas avec ban juif, Dieu, il envoie avec ban panien. Tandis maintenant qui Pierre, qui n'est pas un euh, érudite de la Bible, qu'il n'est pas un pharisien, Dieu prend lui et envoie-lui envers juifs. Est-ce qu'il se peut comprendre, moi Naturellement parlant, il ne pas logique. Qui fait, il pas logique Parce que si c'était toi, tu ne peux avoir Paul avec juifs et Pierre sur la langue sale, ok Librite, tu ne peux pas avoir Paul avec Panier. Mais non, 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 non. Si. Paul, tu es envoyé vers Ban Juif, les types le se propre la chair, le se propre l'éducation, le se propre pensée. Si Pierre, tu es envoyé avec Ban il cause pareil comme azote alors tu peux comprendre qu'il peut agir selon ce la chair. Mais Dieu n'est pas envie qu'il te fait quelque se chose selon la chair. Il a envie qu'il te fait quelque se chose selon l'esprit. Tu peux appui, le grand Saint-Esprit. Est-ce que se peux comprendre moi? Amen, Amen, Amen. Alors, écoute bien maintenant. Euh, Acte des Apôtres, chapitre 26. Nous pouvons lire à partir le verset euh, 15. Seul peut de nous, Saül peut de nous, euh, conversation qu'il est avec Jésus-Christ, l'eau, chemin de masque. OK Il dit à nous comme ça le verset 15. Je répondis Qui es-tu, Seigneur le Seigneur dit Je suis Jésus, que tu persécutes. Maintenant, ne pouvons trouver ce qui l'empêche de nous. Amen. Ne peut trouver, Paul peut dévoiler ce plan personnel qui Jésus-Christ est Napoléon. « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je te sois J, je, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de Panien vers qui je t'envoie. Une découverte ce plan de Dieu, de la bouche de Jésus-Christ. Ok Mon voilà. père, vois toi vers de ben Panien. Qui fait ça, euh, Paul, verset 18 Afin que tu, te, que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec le sanctifié. Alors comprends bien maintenant, Dieu l'envoie avec un verban panien. Chaque fois qu'il a un problème, okay, c'est quand il y a verban juif. Il y a un coup de roche, il est lapidé par un juif. Qui fait Parce que... Chaque fois qu'il y a un verbe, juif. Dieu, n'envoie en livre juif, Dieu, il envoie un livre en panier. Est-ce que je peux comprendre moi? Te bizarre, reste dans la ligne que Dieu est là pour toi. Alors, écoute bien maintenant le verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Voilà, c'est quoi une parole prophétique c'est la vision céleste. Alors, euh, la Bible a dit comme ça, ainsi au roi Agrippa, je n'étais pas désobéissant à la vision céleste. Je n'étais pas désobéissant à la vision céleste. Alors, nous comprenons Deuxième définition, ça veut dire quoi Une parole prophétique, soit une, une prophétie, c'est une vision céleste. Ça veut, dire, ça veut dire une vision céleste, c'est une vision du ciel, un rêve du ciel qui peut atteindre, amen, de exécution terrestre. Troisième question qui m'invite envie crier, très important qu'il te comprenne celle-là. Ok, très important qu'il te comprenne celle-là. Ne trouvez qu'il y un an, ou soit un annon, qu'il y ait prophétisé pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Point Menli qui nous appelle dans l'entrée triomphale. Troisième question qui, qui m'a envie de comprendre, ça veut dire quoi une prophétie ou soit une parole prophétique Ce que la prophétie, Amen, une prophétie, c'est un véhicule vers votre destinée donnée par Dieu. Toute tout parole prophétique, c'est ça même te transport. Amen. Qui pour mène-toi, Amen, qui pour mène-toi dans te destinée prophétique. Si toi, envie, dans te destinée euh, triomphale, dans te destinée prophétique, te <coughs> bise un transport. Tout pareil, comment le Seigneur Jésus-Christ, l'inbise sa transport là, pour mène-lui dans l'entrée triomphale à Jérusalem, toi aussi te bise te transporte, pointe toi dans ton l'entrée triomphale, dans te destinée. Alors, deux paroles prophétiques, une prophétie, c'est ça, ça même qui te transporte, c'est ça même qui te véhicule, qui pointe toi dans te destinée. Est-ce qu'ils sont capable de moi un bon Amen Amen, Amen, Amen. Si tu ne comprends pas comment pour utiliser tes paroles prophétiques, est très difficile pour toi, pour te rendre dans te euh, destinée triomphale et destinée prophétique. Est-ce qu'il se peut comprendre moi C'est ça même te transport, c'est ça même te euh, véhicule. Tu dis mon avec moi, mes paroles prophétiques. Quand Dieu me donne moi ça, c'est ça même mon transport, c'est ça même mon véhicule, hein, même, qui m'amène moi dans mon qui peut donner moi l'entrée triomphale et qui peut donner moi mon destinée prophétique. Amen, Amen, Amen. Alors, nous définissons ça, nous définissons ça. Maintenant, nous pouvons écrire des trois questions qui m'ont vu d'écrire. Comment se fait que Jésus-Christ, le récit ce prophétie messianique personnelle, le récit fait ça? Vient ce transport, point dans ce l'entrée triomphale. Et toi qui fais un tonne de parole prophétique alors comment tu entends sa parole prophétique là? Peut-être une galie à travers de la parole de Dieu, une promesse de la parole de Dieu. Peut-être une galie comment euh, <coughs> Joseph l'engage par une vision, soit pas un rêve. Peut-être comment Moïse, Moïse l'engage dans deux façons. À l'âge de 40 ans dans le livre des actes de, dans le livre des actes de apôtres chapitre 7, la Bible dit à nous comme ça qui Moïse actes des apôtres chapitre 7 le verset 23 et dit nous comme ça et quand il eut atteint l'âge de 40 ans, il lui vint au cœur de visiter ce frère des enfants d'Israël. Ça veut dire dans le cœur. Est-ce que c'est peut-être moi là, Dieu peut-être une cause dans ton cœur. Amen. Ou soit, ton paraît, deuxième fois, comme à Moïse, la voix audible de Dieu. La voix audible. Maintenant, ça, ce n'est pas le nom. Quand Dieu cause avec nous, il cause dans nous le cœur. Je pétale moi là. Il, Dieu pour cause avec nous, des trois, et de la bonne façon que Dieu cause avec nous. Premièrement, il cause avec nous à travers la parole de Dieu. Deuxièmement, Dieu cause avec nous à travers le grand Saint-Esprit. Troisièmement, Dieu cause avec nous à travers... Le témoin intérieur. Quatrièmement, Dieu cause avec nous à travers vision et rêve. Cinquièmement, Dieu cause avec nous à travers les autres. Est-ce que je péte à moi mes frères et mes bansers? Amen, amen, amen. Alors, comprends bien, nous trouvons comment Jésus-Christ, il servit cette parole prophétique pour servir ce véhicule pour rentrer dans l'entrée triomphale. Alors, maintenant. Toi qui fais ton copie t'atténuer, toi encore loin de euh, l'entrée triomphale. C'est parce que tu te peines à même l'attitude que Jésus-Christ est là. Alors, nous alors, guide, bien maintenant, nous retournons vers Matthieu 21. M'opoudonne-toi environ trois ou quatre kitsos, ok, qui te tu utilisez. Arrêtez cette. Euh, Mossad, dans votre la vie, vous n'êtes pas, pas trop... Non, il peut je Vous restez tranquille. Non, 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 non. Et dans la même latitude du business, copier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il est capable de moins un bon Amen ce soir? Alors, rapidement, Matthieu 21, le premier verset. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Béphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples. en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Alors, première question qui m'a envie de comprendre. Il a dit dans Zacharie 9, euh, Zacharie 9, le verset 9, soit transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse de cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient. Il est juste et victorieux. Il est humble, est monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une cinq 500 bananes avant, sa prophétie là, amen, une sortie de la bouche de Zacharie. Mais nous trompons maintenant, nous trouvons la réalité de choses sur la terre. Qui sa prophétie là, cette âne là, les chiètes attachées, les chiètes liées. Alors, comprends bien maintenant, deux paroles prophétiques qui donnent gagné de Dieu. Personnellement, de la parole de Dieu, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit par vision, que ce soit par une parole prophétie, une passion de nos toi qui actuellement l'y est, est attaché Est-ce qu'il te fait comprendre moi là Ça veut dire quoi L'époua pour arriver automatiquement. Jésus-Christ. Les conscients conscient qu'il a une parole prophétique de la bouche de Zacharie. Il y a des disciples et dit, je te détaché cette parole qui est liée. Alors comprends ce soir, oui, Dieu a une destinée pour toi, mais comprends bien le moment qu'il te recevoir une parole prophétique, le plan de Dieu, qui l'ennemi pour faire tout ce mieux, pour attacher tout. Miracle pour attacher deux paroles. Est-ce qu'il te comprends moi là? Est-ce qu'il te comprends moi? Comprends bien ce soir que toute parole prophétique qui est prophétisée dans toi, quiconque ce soir bien comprend que cette parole l'y attache. Si Satan, si l'ennemi, l'incapable, attache la parole prophétique de Jésus-Christ, est-ce qu'il ne peut pas croire qu'il n'est pas pour eux la tâche de parole Est-ce qu'il ne peut pas croire qu'il n'est pas pour eux la tâche de, euh, de destinée Je pétale moi là. Alors comprends bien ce soir. Jésus-Christ, fait que nous comprendre qu'il n'est a une parole prophétique, mais sa parole là, les est liée. OK Sa parole là, sa destinée là, sa transport là, sa véhicule là, les chiètes liées. Alors, comprends ce soir. Au lieu qui te frustre, au lieu qui te gainir, te gagne la rage, te décourager, arrête à l'église, comprends ce soir qu'il y a qu'une chose qui n'attache qui est Amen, de paroles prophétiques, de destinées triomphales, de l'entrée triomphale. Alors, comprends bien ça. Amen. Si maintenant, toi, tu ne te détaches pas et tu ne te libères pas, libéré, jamais il ne accomplir dans ta vie. Jamais tu ne accomplir dans ta vie. Comprends qui te n'a l'ennemi. Comprends qui te n'a l'ennemi qui peut faire tout ce mieux pour arrêter la parole prophétique. Mais, nous trouvons que Jésus-Christ. Les conscients, les diables, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Maintenant, laissez-les avec moi et dis avec moi. Seigneur, me détache, mes paroles, mes destinées prophétiques. Amène-les envers moi. Amène-les envers moi. Amène-les envers moi. amen. que le nom de Dieu soit béni. Si quelqu'un vous dit quelque chose vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Deuxième question ce qui m'a envie d'écrire, dis avec moi « Le Seigneur in dire j'en ai besoin, moi aussi j'en ai besoin. » Alors, tu dis, -moi, dis avec moi « Mon biseau, mon parole prophétique. »« Mon biseau, parole prophétique. » Sa parole prophétique qui est liée, qui est attachée par Satan, par l'éthicaine, « Mon biseau est venu dans ma vie. » Mobizé qui lui dans une réalité dans mon la vie. Tout le monde avec lui. Mobizé, ma parole prophétique. Alors, rapidement, à haute voix, s'il vous plaît. Mobizé, ma parole, ma parole prophétique. Amen. Arrêtez sa mauvaise manière là. Si bon Dieu, je vais me gagner. Jésus-Christ passe dans attitude là. Je ne t'en Amen. Amen. J'en ai besoin, tu dis mon Dieu avec moi, j'en ai besoin, le Seigneur Bizali, moi aussi mon Bizali, Amen, tu dis mon Dieu avec moi, mon biser, mon parole prophétique, Amen, 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 si tu pas biser tes parole prophétique, jamais tu ne pourras dans de tes destinée prophétique, est-ce qu'il se peut comprendre moi là? Si tu peux comprendre moi, Dieu m'en peut comprendre toi. Amen. J'en ai besoin. Tu dis moi, dieu avec moi. Mon bison, mon parole prophétique. Alors, comprends bien maintenant. Comprends bien maintenant. Moi, tu de de la Bible. Hallelujah. Merci, Seigneur. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, s'il vous plaît. Chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Verset 19. Ok? Matthieu chapitre 16, le verset 19, et puis Matthieu 18, 18. Matthieu 16, 19, s'il vous plaît. Matthieu 16, le verset 19. Merci Jésus-Christ, merci Seigneur. Matthieu 16, le verset 19. Jésus dit comme ça Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié le, dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Je ne t'entends là. Amen, amen. Maintenant que dans Matthieu 18 et le verset 18, Jésus-Christ peut cause avec Pierre. Il peut avec nous. Amen. Matthieu 16, il avec Pierre. Maintenant, 18. Il dit à nous comme ça, verset 18. Alléluia, je vous dis. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Maintenant, comprends bien maintenant. Nous ne comprenons qu'il y a une parole prophétique. Je fait t'expliquer ce que là. Deuxième définition. Ce c'est là, c'est une, une, une parole prophétique, c'est une vision céleste qui peut atteindre exécution terrestre. Ok? Maintenant, qui t'entend une, une sortie du ciel, une vie de la terre pour toi, maintenant, toi, à la terre, tu as besoin délier cette parole, Amen, qui est attachée, et elle est là le ciel pour faire ça. C'est te move. Si tu pas move, non, n'y est pas arrivé. Alors, qui nous a besoin faire? Qui nous a besoin faire? Moi, je suis, une une. Moi, je suis une une. Okay? li. Je Ok? Je cette parole. Alors? Troisièmement, écoute bien maintenant. Troisièmement, tu besoin faire une demande. Toi, terrestre, tu besoin faire une demande. l'eau, cette plan céleste. Comment te faire une demande, Lola? là Tu appliques la prière of binding and loosing. Moi, connait comment dire ça en créole, ok, ok. Tu besoin euh, fait cette prière de lier et délier lier et délié. délier délier ce qui est lié amen tu peux délier ce qui est lié en anglais les plus facile binding and loosing est-ce que je peux comprendre moi là est-ce que je peux comprendre moi là alors rapidement écris ça maintenant Écris ça maintenant merci seigneur si tu en envie, trouve cette maintenant parole prophétique, qui crée ça quatrièmement, quatrièmement, n'a pas poéna, il n'y aura pas une entrée triomphale tant que je ne libère pas ma parole prophétique. Il n'y aura pas une entrée triomphale tant que je ne libère pas ma parole prophétique. T'es moi là Personne ne peut de ramote devant toi. Personne ne peut célébrer toi. Amen. Pas pour l'entrée en triomphale. Tant qu'il te pas libère cette parole prophétique. Est-ce que se peut comprendre moi Alors, ne pas capable de continuer paresseux dans la prière, dans le jeûne, dans nos consécrations. Est-ce que je peut comprendre moi Jésus-Christ, il dit, il a voulu à disciples, « transport. » mot transport. » Sinon, si Jésus-Christ fait fait ça, malgré que cet anon là lui est réservé pour Jésus-Christ, il pas tu pas une réalité. Alors écoute bien maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire si nous ne pas faire ce qui est arrivé? Nous ne gagner un cas qui beaucoup parmi nous, malheureusement, peut souffrir, c'est qu'il ne peut un cas de prophétie ratée. Prophétie qui peut faire, qui peut faillir. Est-ce que tu peux comprendre moi là Alors écoute bien maintenant. Ça veut dire une prophétie ratée. Mon vie, tu ça maintenant. Très important. Très important. OK Une prophétie, une parole prophétique ratée qui peut tarder. Écoute bien maintenant. Qui ne peut pas manifester. C'est une prophétie qui n'a jamais été réprophétisée par toi. Est-ce qu'il te peut comprendre, moi, là De ne pas attendre <laughs> comme on dit gunga Amen. Amen. Tu peux attendre même toi. Tu peux attendre même Quand ça peut arriver? Quand ça peut arriver? Non, 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 non. De Bizin comprend une prophétie ratée. C'est une destinée ratée. Une prophétie ratée, c'est une prophétie, une parole prophétique qui n'a jamais été réprophétisée. OK Non, jamais quoi Réprophétisée. Ça veut dire quoi maintenant Ça veut dire quand tu gars cette parole là te bise devant Dieu. OK Te bise devant Dieu. Prends sa parole là, réprophétise-le devant Dieu. Voilà, c'est quoi la prière? La prière, c'est que, je peux un moi là, c'est que nous, devant Dieu, nous réprophétise, nous réprophétise cette parole à Dieu, nous retourne la parole à Dieu. Dans Ésaïe 54, à nous dans Ésaïe 54, s'il vous plaît, qu'il la bien à nous, Ésaïe 54, comment nous faire ça? Merci Seigneur. Merci Jésus Christ. <coughs> Merci Jésus Christ. Mm -mm -mm. No. So shall my word be. En anglais, plus facile. Moi, plus qu'on lit en anglais qu'en français. Amen. So shall my word be. So shall my word be. Amen. Esaïe 55, s'il vous plaît. Le verset 11. Esaïe 55, le verset 11, s'il vous plaît. Merci, Jésus. Esaïe 55, le verset 11. Merci, Jésus-Christ. Le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Il ne retourne point à moi sans effet. Mais comment les ne retourne à, à, à Dieu? Il dit, il ne retourne point à moi sans effet, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté à accomplir mes desseins. La parole de Dieu, elle sort de la bouche de Dieu. Combien bien maintenant. Quand Dieu donne toi une parole prophétique, ça sort de sur le cœur de Dieu, à travers la bouche, et il vient dans tous les cœur Maintenant, toi, pour te retourner avec Dieu, te tiens de tous les cœur à travers toute la bouche, te retournes vers le cœur de Dieu. Amen. C'est à travers ré prophétie, ré-prophétiser. Bon, but est ça maintenant. La prière, amen. C'est qui nous réprophétise, ok? Cette parole nous retourne vers Dieu. Nous retourne vers Dieu. La prière, c'est pas qui te fait euh, tout euh, incrédule, doute devant Dieu. Je peux moi là? Amen, amen. Maman. André-Marie, Rosana, Christophia, Gia, Nomogunga. Au Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, une prophétie ratée, c'est une destinée ratée. Merci, Lona. La prière, c'est de reprophétiser la parole vers Dieu. Merci, merci, Lona. OK. On va écrire ça maintenant, rapidement, on me finir la même. Une prophétie ratée qui manifestait dans une destinée ratée. Écoute bien maintenant, tu peux... n'as aucun temps pour gaspiller, tu peux venir OK? Et là, il y a une parole prophétique, quand, je... quand je suis dans de... Qu... les 14, 15, 17, 18, maintenant dans 45 45, 46 ans, on coupe la même. Hé, hey, arrête, fais pas, reste. Reste Lève-toi. Lévez tout de suite et commence à appliquer dans la prière Car mémoire dans ce point-là une prophétie ratée qui se manifeste euh, dans une destinée ratée est une prophétie non accomplie, non accomplie qui n'a jamais été déclenchée par le force spirituel de la foi, du jeûne et de la prière. Vous ça là Une prophétie ratée. C'est une prophétie non accomplie, qui n'a jamais été déclenchée par le force spirituelle de la foi, du jeûne et de la prière. Je pétale moi Alors, elle n'a pas de rayon de prière du tout. Elle a tout le temps en rétor pour la prière. Non, 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 Quand c'est rayon de la prière, tu as besoin de la prière. C'est quoi le but de la prière Le but de la prière, moi je vais ça. Le but de la prière, c'est de réprophétiser le plan de Dieu à Dieu. Amen. Et te déclencher de destinée. De déclencher de destinée. Amen. De bien réprophétiser afin de déclencher de destinée. C'est un mot là? Amen, Amen, Amen. Bon, c'est assez maintenant. C'est 9h58 ici. On a pas pour le faire. C'est assez pour aujourd'hui. Moi, je vais être mardi dans l'évangile, l'ONU plateforme. Mardi, les est pour 18h. OK? Merci. L'on a réprophétisé afin de déclencher notre destinée. Amen, Amen, Amen. Alléluia, merci Jésus. Alors écoute bien maintenant, rapidement. N'oublie pas que Maupévin Maurice le 15, Maupévin, Maurice le 15 juin, peux quitter l'Amérique le 13 le matin pour rentrer le 15 l'après-midi. Ok? Du point de mercredi, jeudi. Pour une réunion ouverte au public, mais 50 personnes seulement, ok, à Coromandel. Et puis, je, vendredi, samedi et dimanche, Mopou cote Frère Roland et Frère Pasteur James, ok, et aussi Bishop Anil. La semaine ensuite, Mopou a la réunion jusqu'à le 27. Ok, le 28 et le 29, nous prenons ce qui est simplement dans l'école du ministère, l'école de warfare et du ministère. 50 personnes euh, seulement réservées, s'il vous plaît. Ça n'est pas disponible pour tout le public. Les plus personnes qui ont envie trouvent un grand euh, percée dans notre ministère. Les plus intenses. Euh, le prix c'est à 600 roupies. Nous pouvons les pour euh, deux temps de euh, l'enseignement par jour, en tout quatre temps de l'enseignement. se euh, place ce prix c'est à 600 roupies. Maintenant, je te dis un, cause avec le frère Rudy, d'un autre s'il vous plaît. Ce numéro de téléphone, Rudy c'est 5 5 9 6 1, s'il vous plaît. 41 40. Ok, merci Seigneur. 5 9 6 1 41 40. Amen. Non, les pas pour live, les pour simplement, directement, l'eau, euh, je vous invite en personne. Les pas pour live, les pour en personne, mais nous pour enregistrer les. Ok? Nous pour enregistrer les. Merci Seigneur. 5, 9, 6, 1, 41, 40. Le frère Rudy, s'il vous plaît. Ok? Voilà. Téléphone-lui par WhatsApp, s'il vous plaît. Pour le capable, guys, de 50 Non. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Ok, que Dieu vous bénisse. N'oublie pas qu'on a un budget fait toutes les semaines. Euh, nous, euh, nous dimanche, nous prenons nous euh, l'offrande, s'il vous plaît. Glenarrechion, amen. Alors, site web, s'il vous plaît. Point org. Merci Seigneur. Et nous donnons nous l'offrande, le Glenarrechion. Merci Seigneur. Amen. Je ne trouve ni l'écran. Amen. Glenarigion.org, forward slash, ici Tout le temps, nous donne, nous l'offrande. Amen. Ça, ce n'est pas partnership, c'est nous l'offrande originaire, normale. Amen. Nous donne ça, nous plateaux anglophones, nous sommes capables pas nous en roupie mauricien, etc. Ceci, tu ne pouvons pas en roupie mauricien. Alors, que Dieu vous bénisse. contentez vous beaucoup. Appréciez-vous beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye-bye.